On n'a pas changé de temps entre temps parce que la nuit arrive pas si vite. Mais au cas où, je vais me remettre en plein jour. Mais c'est quoi cette connerie, quoi? Genre, il y a un tyran dans la salle, ils me font combattre ça à côté d'un tyran. Ils ont complètement fumé. Donc, où est le truc pour changer d'heure? Ah, il est plus haut en fait, d'accord. En effet, il y en a un par là. Il m'a pas du tout attaqué la première fois, donc je le soupçonne d'être là que la nuit. Mais ça m'étonne quand même, ça me semble bizarre. Ça me semble quand même vachement bizarre. Caverne cérémonielle, j'ai un TP devant en fait, d'accord. Donc tout à l'heure j'ai tourné en rond pour rien. Ah, ou alors c'est qu'il est là pendant un certain temps précis et le temps a changé lui par contre. C'est possible ça par contre. Il y a des monstres qui sont là qu'à un certain temps donné. Si j'ai pas eu de chance sur ça, c'est vraiment bah, un coup de pas de chance. Ouais. C'est le temps arc-en-ciel qu'avait Pop, je crois. Du coup, si dès qu'il y a des arc-en-ciel, bah, il pop, je suis dans la merde. Équipement de terrain, du coup, il faut que je remette le lit. Sauf sur Mia, je vais laisser l'autre. Je trouve le moyen de me faire un stuff opti à toute résistance. Celui-là par exemple il est faisable, il n'y a que 25 en éther avec une avec un insert, il y a moyen de le corriger quoi. Après est-ce que j'ai des slows assez de slow pour le faire, ça c'est pas dit. Oui, bon, on y va comme ça. Il faut juste 1000 PT pour le tuer lui. Contrôle. Il doit avoir 90 000 et quelques HP en fait ce truc. Ok, équipe, équipement de terrain, du coup on rechange. Faudrait pouvoir faire des sets en fait. Après si je sauvegardais aussi dans mes sessions, ça serait beaucoup plus simple. Je sauvegarderais juste avant le combat et j'en galérerais pas autant. Mais ce n'est pas mon cas. Et vu qu'il est insensible au contrôle, je vais remettre les arts de dégâts pour lui enlever ses bonus et lui faire mal avec les malus qu'il a. J'aimerais regarder. Ouais non, là on est d'accord, il n'y a pas de
Il n'y a pas de tyran, j'ai juste pas eu de chance sur le pop du tyran, quoi, au changement de temps. C'est vraiment le coup de pas de chance, quoi. Parce que ça m'étonnerait que ce soit lui qui l'appelle. Mais genre grandement. Du coup, je vais pouvoir charger mes attaques cette fois, vu que j'ai le bon combo. Plus mes heals. Avec un bon gros combo, on lui fait quand même vachement mal. Raté, dommage. Je crois qu'il faut pas rester groupé en fait. Peut-être que je leur demande de se disperser. Peut-être pas en fait comme demain. Oh Dieu, il a pop. Oh non, le tank a rechangé. Oh le troll. Vous voyez le tank en haut à droite, il est retourné sur arc-en-ciel. Le truc super rare quoi. Faut juste que je le tue. Faut juste que je le tue. Voilà, rien à foutre. Putain, le tank qui me troll deux fois d'affilée, j'aurais pas aimé. J'aurais putain de pas aimé. Feu, divin Nippopon a perdu. Je sais pas comment j'ai monté tout ça, parce que c'est un peu long quand même de vous laisser tous les fails. Divin Nippopon se trouve plutôt fort en général, mais enfin, arrive à tout le monde. Divin Nippopon va s'activer et faire bénédiction Fissa. Nippo, Nopon, Nippopopon. Voilà, J'aime Nopon a été bénite par Divin Nippopon. Divin Nippopon. Ça aidera Pote à découvrir l'origine des Nopons. Continue comme ça, bonne chance. Et pas de quoi, merci. Oh, faut aussi dire à Divin Nippopon que sa voix énervante est sûrement raison à son éternel célibat. Et si voix normale à Divin Nippopon, eh ben Divin Nippopon est vraiment désolé pour lui. Tu m'étonnes. J'ai peur de repop là où il y a les monstres. Vous avez battu l'incarnation du Divin Nippopon. Est-ce que je me reprends l'aggro des monstres? Apparemment non. Ok, donc, prochaine mission, et normalement la dernière de cette quête, vaincre le divin Nippopon, enfin l'incarnation du divin Nippopon, qui se trouve en Sylvalum. Par ici, du coup, j'espère qu'on peut le faire en scale, histoire que ça aille un peu plus vite. Bon, ça va, quand tu gères bien les changements de tenue pour les monstres et tout, ça passe, mais faut juste pas qu'il y ait un putain de monstre qui arrive par derrière, quoi. Et qui te casse ton... ouais non, en fait, on va... On va essayer de changer le temps. Même si ça marche pas tout le temps de faire ça, je vous l'avais déjà dit, je crois. Là, ça a marché, c'est bon. Alors, tu te trouverais par ici. Mais en hauteur... Oh non, me dis pas qu'il se trouve à l'intérieur. J'espère qu'il se trouve juste tout en haut, parce que s'il se trouve à l'intérieur, c'est pas possible. Je peux pas le battre. Faudrait pour ça que je batte l'autre monstre à l'intérieur.
Ah, par contre, il est peut-être juste sur la branche, en fait. Ouais, non, il est pas dedans, c'est bon. J'ai eu peur. Ouais, y'a rien ici. Ah oui, non, c'est pas ça. Oula, ils m'ont fait peur, en fait. Ils m'ont fait peur pour... Il y a une caverne par ici? Y aurait-il une caverne par ici que j'aurais pas vue? On va prendre l'épave. Y aurait-il une caverne que je ne connaisse pas? Par derrière, j'ai l'impression. Non, que dalle. Que dalle. Juste mon imagination. Ou alors c'est de l'autre côté. C'est possible que ce soit de l'autre côté aussi. Une caverne de l'autre côté. Oui, c'est possible. Oh, mais si c'est cette caverne là, c'est pas mieux en fait. C'est la caverne que je pense, c'est chiant parce que pareil, c'est du haut niveau pour rentrer dedans. Si c'est cette caverne, on est dans la merde. Ah ouais, vous voyez bien. Vous voyez toujours bien. Ça, c'est le Valonqué, d'accord. Et ça, c'est un monstre niveau 74, on est d'accord. Et le monstre que je dois tuer moi, il est où? Il est juste ici, d'accord. Donc il faut que je vienne ici sans un gros truc. Parce que c'est pas celui-là. Ah, il y a des projets par ici. C'est la première fois que je les vois. Ok, donc il faut que je rentre dans la caverne, puis que j'évite le gros. Ça s'annonce compliqué. Les projets sont disparus parce qu'on est de nuit. Ah, il disparaît. Mais non, il avait disparu. Et c'est ça qu'il faut que je batte. On va essayer. Ok, ça passe. Ah putain. Oh putain. Eh ben, dis donc. Ah, c'est un vieux. Divin Nupopon ravi enfin avoir rencontré quelqu'un d'aussi fort. Quand Divin Nupopon est devenu esprit, cela semblait impossible que Pote soit capable de battre Divin Nupopon. Divin Nupopon sait dénicher talent, malgré personnalité irritante, a bon cœur aussi. Alors sois patient, d'accord Pote? Promettre que vous allez essayer de vous entendre avec le Divin Nupopon. Ouais, on peut essayer.
Pot est fort et mûr. Divin Nupopon est content que Pot soit celui qui a réussi à épreuve des esprits. C'est sûr que Pot utilisera le pouvoir des esprits pour faire bonne chose. Très bien, Divin Nupopon va bénir Gem. Nupo, Nopo, Nupopopon. Voilà. Tiens bon, Pot, va jusqu'au bout. Pot veut quelque chose d'autre. Allez, zou. Oh, mais dis à Divin Nupopon d'envoyer d'autres potes pour épreuve. Divin Nupopon s'ennuie vite à passer journée planté là comme un arénatecte. Ok. Et du coup, j'ai vaincu l'incarnation du Divin Nupopon. Vous pouvez voir... C'est un monstre, ça, ou c'est le truc... Ah, c'est au-dessus. Ah, faudrait que je monte. Y'a moyen de faire ça à la vieille? Ouais, non. Parce que vu qu'on est derrière, on peut essayer de le récupérer. Mais j'aurais voulu ne pas... Bon, mais on va le combattre. Si on peut récupérer un truc en passant, on le fait, quoi. Tout ça pour des points de combat. Bon, bah, ça, c'est mieux que rien. J'ai l'impression qu'il y en a un autre de l'autre côté, mais je suis pas sûr. Si on peut le prendre lui aussi. Par contre, celui qui a ses pieds... On va pas pouvoir. Non, celui qui est en haut là-bas, on va pas pouvoir. Parce que même en passant par-dessus, je pense qu'il nous voit. C'est bien ça. Donc on se barre. C'est sympa la visite. Au revoir. Du coup, on peut aller rendre la mission. Le Divin Nupopon. Où est-ce qu'il se trouvait, lui, déjà? Alors, je m'excuse encore si vous entendez un léger bruit derrière, hein, derrière la musique, ça m'étonnerait. Mais c'est mon voisin qui tire de l'eau, ça fait du bruit. Paye tes murs en carton. C'est bien connu. Eh, ça, je peux le choper aussi, maintenant. Ah oui, biologien, je peux le choper en effet. Alors, où est-ce qu'il se trouvait lui déjà? Ah, il est dans le trou. What? Deux, trois tyrans à côté? La lueur des étoiles, la main de fer. On va se les faire. Hein. Y a pas de raison. On enchaîne avec ton pote derrière. C'est là que c'est en fait les esprits de ses potes derrière, tu sais.
C'est pas parce qu'ils sont trois que je vais pas les tuer. Hein. Enfin, c'est pas des gros, donc ils sont faciles à battre. Service A, rien sur l'autre et rien sur l'autre. J'entends des bruits chelous, c'est quoi comme monstre derrière? Peut-être pas des monstres que j'entends, c'est peut-être juste le divin. Toi qui fais des bruits comme ça? Non, je pense pas. Allez, la fin de cette quête interminable. Pote a reçu dernière bénédiction, alors montrez j'aime à divin nos popons. J'aime Nopon, une pierre donnée par le divin Nopopon en tant que test. Oh, elle brille avec éclat jamais vu avant. Divin Nopopon peut voir quelque chose. Oui, c'est de plus en plus clair. C'est ancienne écriture Nopon. Vois. Ah oui. Hein? Hein? Tu pourrais nous dire ce qui est écrit? Divin Nopopon aimerait que Pot arrête de le regarder avec yeux tout pétillants et tout impatients. C'est pas facile à dire. Divin Nopopon pensait avoir détail sur comment le premier Nopon naît sur cette planète. Mais c'est que longue liste de trucs Nopon. Nopon doivent toujours être jugés mignons par les autres choses vivantes. Nopon doivent toujours prendre soin peluche test de fourrure. Nopon doivent optimiser peluche test en buvant jus carotte kepo tous les jours. Il y en a environ 50 comme ça. C'est genre information stupide que Napopon aimerait. Mais divin Napopon sur point de pleurer. Juste preuve que peu importe quel ancêtre a laissé ça, lui être sombre idiot, sûrement mieux que Pot oublie cette histoire. Divin Napopon va essayer s'en remettre. Bon, partie où Pot reçoit pouvoir des esprits est vrai au moins. Nopo, Nopo, Nopopopon. Et tada! On pourrait croire que ça est stupide joué, mais ça marche vraiment. Cette épée des esprits pourrait fendre même divin Nopopon en deux. Donc Pot, faire attention au pointé arme. Et avec ça, rôle de divin Nopopon accompli. Divin Nopopon verra sûrement plus jamais Pot, mais garde morale. Oh, et divin Nopopon a entendu tout ce que esprits ont dit à Pot. Il est temps de leur faire goûter à onde tranchante X, légendaire Nopopopopon. Yaaah! Punition, d'accord. Et j'ai gagné quoi? D'accord, j'ai rien gagné du coup. Faut juste que je lui reparle au quartier résidentiel du coup. Enfin, que je parle à l'autre. Mais c'est marrant parce qu'il ressemblait vachement au Nopon à qui était en train de parler Shin-Shin en fait. Peut-être le même en fait. Enfin, je pensais que c'était le même, mais j'ai un doute du coup maintenant. Il est toujours là l'autre. Tu vois, il ressemble beaucoup à Onopon avec qui il parle. Enfin bref. Ah, cette épée, épée à esprit, Shin-Shin est témoin d'un miracle, la divin Nopopon. Même si ça ressemble étrangement à jouer. Ça c'est quoi, ignorant païen dirait. Pot devrait utiliser ça tout de suite. Shin-Shin est sûr que c'est plus génial arme de tout temps. Éliminera tout méchant en un seul coup surpuissant, super puissant. Shin-Shin très très reconnaissante d'avoir pu voir ça dans sa vie. On n'a pas d'armes du coup en fait. Vous avez obtenu l'épée des esprits du divin Nopopon et l'avez montrée à Shin-Shin. Elle détient un pouvoir immense même si elle ressemble à un jouet. D'accord. D'accord, d'accord. Elle a gagné un niveau là-dessus. on va regarder quand même à quoi ressemblent les différents trucs qu'on a gagnés. Modifier équipement mode, vu qu'on le verra ici. Alors, cornes de démon suprématie, c'est juste des petites cornes. Ailes de démon, c'est des ailes. Nimbe, c'est nimbe. Et aile d'ange, c'est aile d'ange. Donc en gros, rien de nouveau. Par contre, apparemment, on a vraiment gagné une arme.
C'est pété. Putain, elle a l'air de faire mal en plus comme épée longue. Quoique. Ouais, non, 120, 128, c'est pas énorme. Par contre, pété obtenu 300, c'est pas mal du tout. Puissance d'attaque plus 1, temps de recharge moins 1, effet miroir, miroir plus 1. Je sais pas si c'est intéressant. Puissance d'attaque plus 1, je sais pas, franchement. Elle m'a pas l'air tip top. Parce que l'épée indestructible, par exemple, qu'on avait gagné dans une autre quête, c'était 236 d'attaque. Là, 128, c'est vraiment pas énorme. 2,0, 15, 250. Ouais, niveau PT obtenu, elle a l'air pas mal, mais c'est tout, quoi. Parce que même l'épée carbonée... Ouais, elle attaque plus vite que les autres épées, en fait. Et elle donne plus de PT, c'est pour ça qu'elle est bien, je pense. Après, ça reste une arme niveau 50, donc c'est normal qu'elle fasse pas hyper, hyper mal. Prix de vente 1, c'est ça qui est marrant aussi. Prix de vente 1 aussi, l'épée indestructible, non 10. Quand même, elle vaut un peu plus cher. Ok. Et normalement, on peut faire un autre truc dans le quartier administratif. J'aurais pu y aller en scale. Ouais, c'était pas si loin en fait. Donc, divin nos poupons, c'est fini. Et normalement, il y a une quête qu'on peut faire... Enfin... Une partie de la carte qu'on peut faire que maintenant qui nous demande de parler au divin nos poupons. Normalement il devrait se trouver en ville. Après je sais pas s'il est là à toutes les heures. Ça a l'air d'être le cas. Voilà nos poupons qui se trouvent du coup en ville. On peut penser que du coup c'est l'esprit gardien de la ville. Mais esprit donne force. Ah super pote, écoute ce que Divin nos poupons a à dire. Divin nos poupons a presque été éradiqué par sorte de gecko gros bidon étrange. A dit à Divin nos poupons que le fantôme n'existe pas. Puis a utilisé arme électrique pour étourdir et kidnapper Divin nos poupons. Gecko gros bidon maléfique voulait expérimenter réaction de Divin nos poupons, si soumis à l'électricité. Heureusement Divin nos poupons a réussi à s'échapper. Mais Gecko gros bidon a fait erreur, a révélé accidentellement son identité à Divin nos poupons. C'est lui l'a dû. Gecko gros bidon doit être puni, doit payer prix pour avoir cherché être éternel qui est divin nos popons, na? Alors super pote soutenu par esprit indique à divin nos popons la faiblesse de Gecko gros bidon. Dire à nos popons que les manons détestent les pizzas, ce qui est pas vrai. Dire à nos popons que les manons détestent le volcan. Pote dit que créature réagit mal à ce volcan. Très bien, Divin nos poupons va essayer tonnes de voltants, va envoyer tonnes de voltants sur stupide bestiole. Attendez-moi, ô esprit, Divin nos poupons vous ordonne d'envoyer valser pêcheur Luladu dans immense vortex de voltants. Par pouvoir des cieux, Divin nos poupons te frappe. Enfer de voltants à nouveau. Ah, c'est celui qui avait dû mourir à cause du voltant. Ok, exploration terminée, parce que c'était le dernier point du quartier administratif. Qu'est-ce que tu fais ici, au fait? Curieux à propos de Villa Pote, il la visite, d'accord. Il nous observe de loin, il ramènera la paix ici. Non, il nous demande de ramener la paix dans la ville, d'accord. Il ne nous reste plus donc que une quête à faire dans le quartier résidentiel. Et puis c'est tout en fait. Et oui, c'est tout que je vérifie sur ma carte. Non, en quartier industriel, ça me dit qu'il reste un truc aussi. Ah oui, il reste cette quête. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il reste une quête chiante où il faut récupérer 100 objets dans la ville, si je dis pas de conneries, qui sont planqués un peu partout. Mais genre vraiment partout. Donc je le ferai sûrement sans Solus, mais ça risque de prendre des plombes. A voir si, vu le temps que ça prendra, si je le laisse hors en vidéo ou pas. Parce qu'il y en a qui sont vraiment planqués partout, partout, partout. Je donne un exemple qui n'en est pas un, mais il serait capable, par exemple, d'en planquer un sur un tuyau comme ça, vous voyez.
un endroit où on n'est pas censé aller. Mais il serait capable d'en mettre un. Ou alors d'en mettre un par ici, par exemple. Il serait capable. Alors que personne ne va jamais aller là. Et c'est une quête disponible dès le début du jeu, quasiment. Mais c'est juste que je me suis dit je la ferai à la fin du jeu, comme ça sera plus intéressant. On va... il nous reste un peu de temps, ouais, 15 minutes. On va regarder si on a chopé des objets pour l'encyclopédie. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Non. J'irai peut-être me renseigner où est-ce qu'il se trouve, d'ailleurs, les objets qui manquent. Même si j'ai pas envie de faire... une vidéo pour vous montrer où sont tous les objets, parce que ça aurait aucun sens. Donc j'hésite à les prendre hors vidéo, en fait. Et on va regarder si on n'aurait pas des missions de collecte déjà remplies. Même si on en a fait déjà pas mal. Mais je pense qu'on a fait la plupart de celles qu'on pouvait faire. Ah, 5 sur 8. Ah, 12 sur 12. Revoir le régime. Ah oui, les musclopompes qu'on a chopé juste avant en farmant l'objet qu'il nous fallait. Et pareil pour les méga chocs. Lunettes de soleil ronde, excellente. Et potentiel plus 6. Une boîte d'herbe gélatine d'un primordia. Ça a l'air d'être assez rare. Cristal violet d'un Noctilum, pareil. C'est juste histoire de... Hein. Il se passera rien d'intéressant dans cette vidéo si jamais vous... Vous voulez la quitter maintenant, faites-le. Au pire, vous ne loupez rien, je pense. Trois yeux vitreux. Pantalon du Blade Excellence. Ah, ça m'intéresse, ça. Sur 7, 2 sur 3. Oh, ils sont pas sérieux. Ouais, j'aille farmer, tourner en rond dans certains coins, je sens. Sable étoilé dans Sylvaloom. Bon, on remarque qu'il y a beaucoup moins de collecte qu'avant. Je dois arriver au bout. Je vous rappelle qu'elles sont pas infinies, ces quêtes. Trois sur trois, des yeux de Shrad et des bouteilles de vin. Ça, j'en avais que 6, il a eu de la chance. Et ça, j'en avais 13, donc ça va. Enfin, 17. Ça fait de l'XP, si je dis pas de conneries, pour Mia en plus, donc c'est pas si mal. 5 sur 5, des lanternes sombres. Tueur de mécanoïdes. Ouais. Ça nous fait gagner des inserts aussi, que j'utilise rarement. 2 sur 10, putain. Oh, 6 sur 7. En fait, les gens pensent qu'elles sont infinies, je pense, parce que parce qu'ils ont essayé de les faire dès le début. Mais je crois pas qu'ils m'aient demandé deux fois le même objet. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas eu deux fois le même objet dans mon inventaire, en équipement fashion comme ça. Putain, 14 sur 19. Échantillon de liquide vert fluo.
Après, il y en a aussi qui chopent sur des monstres, donc pour peu que j'ai pas farmé ce type de monstre, bah je les aurais pas, quoi. Sachant qu'il y a pas mal de monstres que j'ai pas farmé. Je pense que j'arrive à la fin quand même de cette liste. Oh, des lucioles filantes. Pour un top design, d'accord. Je pense que j'arrive au bout, parce que ça se répète quand même au bout d'un moment. Enfin, la liste se répète, mais les quêtes non. C'est juste qu'il y en a tellement qui préfèrent nous les afficher aléatoirement plutôt qu'afficher une liste fixe qui pourrait frustrer les gens s'ils peuvent pas les faire. Quoi. Ils ont quand même pris la méthode la moins frustrante. Si ce n'est que des fois on cherche une quête bien précise et qu'on va pas la trouver. Mais... J'ai l'impression de voir toujours les mêmes là. Se glisser dans la grotte, prix bas, dernier souvenir, problème de sonde. Après, il y en a aussi certaines qui sont peut-être débloquées avec les quêtes secondaires, mais vu que je les ai quasi toutes faites. Ça me semble peu probable. Enfin bref, on va sûrement s'arrêter là-dessus. On va regarder, je crois qu'on avait débloqué des armes. On va regarder le type d'armes qu'on a débloquées. Et s'il y en a des intéressantes, je les crafterai. Alors, pression originale, c'est un sniper fusil de précision. Il a l'air sympathique. The original, ouais. Et c'est tout. Et du coup, on a bien débloqué une arme scale. Niveau 50, donc elle se drop bien sur certains monstres. Ce qui est assez chiant, faut le dire. Parce que pour savoir sur quel monstre elle se drop, c'était 7-14, où en fait c'est 3 fois plus puissant, quoi. Avec des bonus plus forts, ça c'est vu. Des inserts plus 5, des inserts plus 7 et des inserts plus 9. Donc plus 2 à chaque fois. Je pourrais presque le faire celui-là. Faut juste des tentacules éclairs que... Mais il y en a plein qu'il faut juste des tentacules éclairs en fait. C'est juste que je peux pas les farmer les tentacules éclairs. J'ai déjà essayé, ça se farme très difficilement. Canon à particules niveau 30 et 60. Ah, c'est le 50 que j'ai crafté, je l'ai pas le 60 en fait. Niveau 30, ils nous l'ont donné. Il est pas si puissant que ça en fait, le canon à particules. 172, c'est pas énorme. Rien que celui-là fait 220. Et celui-là, 264 000, le cercle antimatière. Marteau de guerre, pas super puissant. Mais après, il faut voir aussi combien d'attaques il fait. Ça, on peut pas le voir avant de les avoir créés.
Par exemple, le fléau explosif, je sais qu'il fait super mal, beaucoup plus mal que le canon. Enfin bref, on va se quitter sur moi qui nettoie mon bestiaire. Je l'ai tué celle-là. Ah oui, c'était... Pourquoi je le nettoie? Parce que quand je farme des monstres que je ne connais pas, j'aime bien voir à quoi ils ressemblent. Des fois qu'ils soient intéressants. Genre lui qui nous a fait chier dans la grotte, qu'on n'a pas tué. Pareil, si vous voulez faire un 100% du bestiaire, tous les monstres où il n'y a pas le point jaune, c'est que vous les avez jamais tués. Donc il y a de quoi faire. Incarnation de Nupopon. Qui était pas bien dur, mais... fallait le burster, quoi. Moi, je sais, c'est pas intéressant. C'est juste pour meubler. Ah, il était joli, celui-là. Un petit germivore. Qu'on a dû tuer. Non, on a même pas tué. Sethlifol, c'est pas très joli les Sethlifol, mais il y a bien. Il marque quand même deux défaites contre. J'aurais bien aimé savoir les stats qui a perdu contre quoi là-dessus, mais ils n'ont mis que sur les tyrans, c'est dommage. Et encore que sur certains, je crois. Marmuk Pilonneur. Ah, il est classe. Missile dit assassin. Bon, c'est toujours les mêmes, les missiles dit de toute manière. Ouais. Ilicios, la lumière. Ouais, je l'ai pas tué, lui, en effet. Combien de défaites? 6000. Ah, quasiment 10%, et du coup, c'est une couronne d'or. C'est pas énorme. Irana. Ouais, je l'ai dû la tuer. Là. Un Galdre que j'ai jamais tué. Étonnant. Ah, il y a deux types de Galdre que j'ai jamais tué. Pourquoi je dis que c'est étonnant? Parce que y a des armes qu'on peut récupérer sur eux. Après, c'est peut-être parce que c'est un type qui m'intéresse pas vraiment, en fait. Et vous pouvez voir que les Galdres, je les ai quasiment tous tués. Maître Rouge aussi, j'ai pas tué. Ouais, mais j'ai déjà ce type d'arme. Et Magna. Magna aussi, j'ai déjà ce type d'arme. Oui, parce que les Galdres drop des armes intéressantes. Vous voyez, si les coudes... dropper des armes comme ils ont sur les côtés, je les farmerai aussi, mais c'est pas le cas. Du moins, j'en ai jamais vu. Les galdres et les cèdres, je crois. C'est les seuls types d'ennemis que j'ai farmé. Parce qu'ils donnaient vraiment des armes sympas. Descendance, c'est quoi ça? Ah, c'est un Skeldite. Et bien sûr, les deux plus puissants monstres du jeu que j'ai jamais battu encore. Pharsis, niveau 97. Et Telesia, niveau 99. Et vous pouvez voir que eux, par contre, ils ont un ratio victoire-défaite de malade. 56 000 défaites pour 33 000 victoires. Et 21 000 défaites... non, l'inverse plutôt. 33 000 victoires pour 56 000 défaites. Et là, 21 000 victoires pour 43 000 défaites. Donc en gros, on perd deux fois plus sur ces monstres qu'on ne gagne. C'est quand même chaud. Du coup, je voulais voir, ils sont où mes monstres que je fermais?
C'est pas les shrouds? C'est les cèdres que j'ai fermés. C'est ça, cèdre, rapace, gravité, qui donne la cage. Cèdre, rapace, égide, qui donne les armes qu'il a sur le côté. Et cèdre, rapace, laser, qui donne les canons qu'il a dans le dos. Et celui-là, je l'ai jamais combattu? Si, mais je l'ai pas vaincu, bizarre. Il se trouve à Coldross. Ah, mais c'est un tyran, c'est pour ça que je l'ai pas battu. Niveau 70, je pourrais, donc, quand même. Enfin bref. Et l'Exerne aussi qui pourrait dropper des armes, mais j'ai pas le niveau pour les combattre. Sur ce, on arrive à la fin de cette session. J'aurais pas exploré Sylvalum dans cette session, je le ferai sûrement dans la prochaine. De toute manière, il nous reste que ça à faire, puis tuer un Telesia niveau 99, parce que c'est nécessaire pour une quête. Et sinon, faire une session gigantesque sur la quête du Homard Rouge, qui est une quête de recherche dans la ville. Sur ce, j'espère que cette session vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine pour la suite et peut-être la fin des quêtes secondaires. Il nous en reste plus beaucoup, il nous en reste que deux. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus !